Bonjour YouTube! Ah, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos sur la chaîne Pokémon. Vous avez Pokémon Uranium, mais maintenant vous allez avoir Emerald Rogue en plus, hein, parce que voilà. La 2.0 est sortie, incroyable du fiac, le jeu a totalement changé, mais il garde tout de même les mécaniques les plus importantes du jeu. Souvenez-vous, on en avait fait sur la chaîne, hein, on n'avait pas fait beaucoup, mais voilà, là il revient. Et comme il revient, il va jouer au jeu. Je vais faire des économies d'eau parce que l'eau ça coûte cher, donc pas de douche du coup prévu. On va jouer au jeu, hein. Voilà, vraiment, c'est parti, hein. C'est parti, j'ai bien configuré la manette, c'est bon, tout marche. Les options, on va régler ça vite fait. Bon, ça on n'a pas besoin de le toucher. Ok. Text speed, instant, fast, instant. On va rester sur fast. On va rester sur Slimfast, bien sûr. Oui, bon, ça, c'est les cadres classiques, hein. Bon, on va rester sur type 1 finalement. Graphique Day, Night visible, bien sûr. Saison visible. Alors, ça, c'est tout nouveau, hein, ça, dans la 2.0. Les options sont là. Weather visible. Whale Battle anime. En vrai, les Whale Battle, on s'en fout. On peut mettre ça en speed 3. Mais je pense que le Skyfey Elec, c'était pas mal. De faire Wild 3, Trainer 2, et les importants de ne pas mettre le speed. Après, on est sur un émulateur qui permet le speed, donc voilà. Et alors, pour l'instant, les surnoms, je vais le mettre en Never, je pense. Ask, Always. Bon, je pense pas qu'on ait envie d'avoir des surnoms pour les runs pour l'instant. Un jour, peut-être, on aura envie de renommer nos Pokémon, mais bon, pour là, c'est pas le cas. On va toggle le bouton de course et on va rester là-dessus. Et c'est parti! C'est parti, bienvenue sur Emerald EX. Bon, pour ceux qui étaient là sur chez Elec, bon, vous avez vu, hein. Vous avez vu la base, voilà. On peut changer la compo. On va faire un average parce qu'évidemment, en average, on tombe sur des Azumarill. Cognobidon au deuxième dresseur. On pourrait mettre le niveau hard brutal pour les plus motivés d'entre vous ou pour les plus suicidaires, je ne sais pas. Là, qu'est-ce qu'on peut modifier? On peut modifier des trucs là? Ah ouais, on n'avait pas vu ça. Ah oui, il n'avait pas cliqué, je crois. Donc, ça, on n'avait pas vu. Bon, attends, par contre, on va mettre average, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les trainers average, divers trainers Pokémon. C'est-à-dire, hein, les trainers auront de spécialités comme pierre le type roche. Et si on fait ça, genre Brock has a mix of rock and steel. Ah! Ah! Bah, en vrai, il a Steelix, hein. Mais ouais, après s'il faut c'est bon, ça va être pareil pour Ondine et compagnie, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Rock and Steel, alors ça veut dire que le Water il peut avoir je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir quand même comme mix? Mais renforcement du type roche. Bon, c'est un peu risqué, je vais pas trop le bouger ça. Release Fainted Pokémon. Quand un Pokémon est KO, il est libéré de votre équipe. Ça, on le laisse évidemment, sinon ça enlève un peu de piment. Overlevel, on va pas autoriser le overlevel, on va laisser le level cap. EV Gain, est-ce qu'on enlève le EV Gain? Non. Hein. Regardez, on va utiliser les plumes et tout ça. Affection. Alors, les Pokémon avec un gros niveau d'amitié peuvent avoir des effets spéciaux. Ah, ouais, c'est comme dans les dernières générations, ça. Ah, du coup, ouais, ça c'est un peu broken, ça. Ça, on va pas le mettre en vrai, hein. Quoique, après, ça peut inciter à garder le. Enfin, si t'as le Pokémon depuis le début, qu'il a bien augmenté le friendship, ça peut donner un avantage sur le starter que t'as pris. Contrairement au dernier Pokémon que tu pourrais éventuellement capturer. Je vais laisser en disable en vrai pour l'instant. À voir. Switch mode. Après être KO, après avoir mis KO un Pokémon opposé, il ne sera pas capable. Vous ne serez pas en mesure de switcher ce tour. C'est-à-dire. Oui, non, là on est d'accord que là, si je fais ça. Je ne switche pas. On va rester en mode en restant disable, bien sûr. Fresh start, you can take all meta progression into adventure.
C'est pas clair. Et au niveau de l'aventure, Battle Format Single. Ah, vous pouvez mettre double Mixed. Ah, pour avoir les deux. Ouais, ça, c'est pour. Ouais, c'est si vous aimez le double. Hein. Ouais, non. On va rester sur Single. Visible Wild. Ah, on peut le décocher, ça, du coup. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que du coup vous allez pouvoir voir les Pokémon dans le dans la nature, ça c'est quand même bien, on va le laisser XP All, on va le laisser bien sûr. Donc je suis en difficulté custom, bon, c'est du average, hein, donc on fait pas attention. Finalement votre première aventure et du coup. Donc du coup voilà. Non, je veux juste voir ce qu'il met pour classique. Génération 1 à 3. Ah ouais, donc d'accord, tu peux jouer avec la génération 1 à 3, l'ancienne. Ok, bon, on va rester en moderne. Moderne, on veut tous les Pokémon, bien sûr. Ok, modernise your preference. Et c'est parti. Voilà, donc tout ce que vous connaissiez de Emerald Rogue, hein, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé, bien sûr. Oh bonjour, on dirait que tu es ouais que tu es tombé, ouais c'est pas clair. Peux-tu me dire de ce que tu te rappelles? Rien, je suis amnésique. Laisse-moi voir si je peux te ramener un peu la mémoire. C'est pas clair. Je suis le professeur Orme. Les Pokémon habitent donc chaque coin du monde, que ce soit des plaines, le ciel ou la mer. Les Pokémon sont nos amis, bien sûr, et on les entraîne et on combat avec eux, enfin avec le champion. J'étudie moi-même les Pokémon pour essayer de les comprendre, voilà. La base. Ok. Alors, laissez-moi essayer de te recouvrir la mémoire. Est-ce que tu te rappelles à quoi tu ressembles? Oui, alors. Comment ça? Attends, mais. Ah oui, mais il y avait Lucas. Mais il y avait direct Lucas. Ah, mais attendez. Victor, Selene. Serena. Kalem. Oh, Serena, elle est stylée. Est-ce qu'on joue une femme? Non. Hein. Ah, c'est pas clair. Rosa. Nate. Ah, mais Nate, c'est celui de la 5G, non? Attendez, c'est celui. Ça, c'est la 5G, ça. On va mettre forcément celui de la 5G. Attendez, et lui c'est qui Victor? Victor c'est qui? C'est la 6G? Helio. Le fameux Helio! Non mais. Ah voilà. Comment ça? Ah, est-ce qu'on a un petit homme vert? 8G Victor? Mais c'est qui Victor? Non mais. Non mais par contre, au bout d'un moment. Voilà. Là, on est tout blanc. Voilà. Si on met toutes les couleurs, on est tout blanc. Le chat est cassé sur le layout. Sérieux? Comment ça? Attendez. Comment ça, le chat est cassé? C'est le chat Twitch qui. Allô? Attendez, est-ce qu'on peut le refresh là? Il est où le chat? Ah, c'est pas clair, hein. Bon, on va voir s'il est toujours cassé, hein. En tout cas, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, c'est gratuit, hein, bien sûr. Donc par contre, on n'est pas si. Non, mais par contre, il bouge un peu trop vite le truc. Je peux remettre des couleurs à peu près équilibrées? Mais je suis pas blanc. Non mais c'est quoi ce bordel? On peut avoir des couleurs normales? Ouais, à peu près, ouais. Un stream de pro. Mais le chat est cassé! Mais comment ça se fait? Aucune idée. Bon, ça va me perturber pendant tout le stream, ça va être super. Ou je ferai une pause pour régler ça. Bon, bref. Ça, c'est bon. Primary couleur. Hein. On est bleu, hein. On est bleu, ouais, un peu de violet, allez, va. On va partir sur ça. Secondary couleur, qu'est-ce que c'est? On est bleu, hein, allez, les bleus. Quoi qu'on pourrait être violet, parce qu'elle est violet, bien sûr. Les violets.com.
Attends, mais pour mettre du violet, il faut faire ça. Ok, en vrai, je vais faire... Je vais le recustom, l'autre. Merde, c'était combien? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pareil. Bon, c'est parti, hein. Missing back sprite. Bon, on s'en fout. C'est parti. Mais quoi? Non, mais... Oh, le chat, hein. Bon, mon nom. C'est ma star. Ça bouge pas. C'est Ipar. Ok. Ah, le name of a village. Alors, moi j'y ai réfléchi, hein, non? Ah, j'y ai réfléchi, hein. Raclureland. Ah, j'avais pensé à Raclure City, mais Raclureland, ouais, totalement, hein. Totalement. C'est totalement Raclureland, hein. Vraiment. Voilà, bon, le chat, vous voyez pas, enfin, YouTube, vous voyez pas ce qu'on dit dans le chat, mais comptez sur moi pour lire ce que le chat va me dire, bien sûr. Je vis à Raclureland, absolument. Bon, c'est parti, on peut jouer au jeu. Ah, nous y voilà. Raclureland, refresh your memory, oui, d'accord. Quand tu seras prêt, viens me voir au labo. D'accord. Bienvenue à Raclureland Jurassic Park Theme Intensifies. Ah mais voilà. Ah mais ça remarche. Ah mais ça remarche le chat. Ça remarche. C'est bon. Merci Armoun. Bonjour. Pourquoi je peux pas courir? Ah oui mais c'est un toggle. Je suis en toggle, hein. Re YouTube, hein. Voilà, c'est bon. Le stream est sauvé. On va pouvoir jouer à Emerald Rogue et avec et vous, vous allez pouvoir voir ce que dit le chat. Vraiment un chat bienveillant, bien sûr. Je suis déjà perdu, je sais même plus ce qu'il faut faire. Il faut aller voir le prof au labo. Hein. On va aller voir le prof au labo. Bonjour. On dirait que tu as récupéré un peu ta mémoire. Hein. Ouais. La mémoire m'a dit Raclureland, j'ai retrouvé mes esprits, hein, c'est bon. Ok. Donc on peut agrandir le village, bien sûr, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Hein. C'est un jeu tout à fait nouveau. Les Pokémon sont en train d'envahir la zone. Ouais. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon le chat tue. Asta, oui, c'est moi. Nous devons faire vite. Alors, faut pas que je m'habitue à appuyer sur le bouton parce que je peux... Voilà. Je peux courir sans appuyer sur le bouton. Et ça, c'est beau. Mais il est parti où? Il est parti au safari, non? Ah oui, voilà. Ah, moi, ça va. Je suis hypé, là. Je suis hypé par le jeu, là. Pokéball, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme starter? Ah, me dites pas qu'on aura... Oh, putain, j'en vois un, là. Oh, oui, ah, oui, c'est lui, hein. Oh, je pense que c'est lui, là. Oh, il y a le Pokémon Glace de 9G. Il y a Sonistrel. Je pense que c'est Ferrosinge tous les jours, hein. Voilà, faut rendre hommage à Soap qui est en ce moment en train de travailler mais qui adore Kourou Singe. Donc, du coup, on prend Féro Singe. Bien sûr. On va avoir un Big Anilape. Exactement. C'est vrai que du coup... Attends, mais du coup, ouais, j'ai pas mis les surnoms. Mais je peux le renommer ou pas là? Petit Kourou Singe qui fait plaisir. Là. Bah du coup, je sais pas comment il va évoluer, s'il faut qu'il fasse comme en 9G, qu'il faut qu'il tabasse avec son attaque spectre, là. On va voir si je peux le renommer à part. De toute façon, en plus, on sait tous que c'est un ferro-singe modeste. Ok, bon. Bon, pour ceux qui débarquent, hein, Emerald Rogue, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike, version... enfin, c'est un Pokémon version roguelike. Qui est bien foutu, hein. Alors, pas tout à fait comparable à Pokérogue aujourd'hui, mais il y a des similitudes. Et on va pas se mentir, les deux jeux sont très bons. Donc Game Freak serait bien inspiré de s'inspirer de ces jeux, justement, pour faire des jeux de qualité, quoi. Voilà. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a plus envie de jouer à Scarlet Violet, hein. Enfin, pour peu que certains aient eu envie d'y jouer. Hein. Voilà. Il nous faut des jeux de qualité. Super potion. Mais il est en train de nous expliquer le process, mais bon, on connaît. Hein. Ah merde, j'ai reçu le Pokédex et les objets dont j'ai accéléré, bien sûr.
Ok. Bon, c'est après, si je vais un peu vite, hein, je vous invite à aller voir la vidéo de Luke 15 qui a pas trop accéléré sur le jeu. Donc, du coup, vous pouvez voir le début si vraiment je loupe des infos qui vous intéressent. Oui, là, puis, alors, du coup, est-ce que de là je peux rename? Non, mais y a un PNJ qui rename, non? Je pense qu'il y a un PNJ qui rename les Pokémon. Hein. Mort. Ah, nickname! Ah, mais voilà! On peut le faire là! On peut le faire là! Bon, du coup. Ah merde, c'est une femelle! Ah, mais il faut que je voulais rendre hommage à. Il y a combien de lettres possibles à 10? Ah, je sais. Ah, je sais. Je sais comment on va rendre hommage à Soap, hein, mais sur son pseudo Tsubasoup, hein, sur Twitch, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Je pense que là, on est bien, là. Là, on est bien. En plus, il est modeste, hein, vraiment, regardez. Il est modeste. Ah non, il est relaxed. Comment on fait déjà pour regarder les IV? Ah ouais. Ah ouais. Il a 3 en attaque. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah, il est bien gaze aussi, hein. Accessoirement. Il est bien gaze, hein. Il est bien merguez, hein. Bon, c'est bien. Bon, on va jouer au jeu, hein. Ah, donc, du coup, on peut pas parler à. Ok, il y a le cri du férosinge. Config lab, est-ce qu'on peut régler les trucs au config lab directement ou pas déjà? Ok. Ah oui, mais du coup, c'est bon. Non, mais on touche plus les configs. Ok. Bah, ça, c'est bien de pouvoir les régler soi-même et pas passer par la maison où tu dois appuyer sur tous les boutons là. Ah ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait ici déjà? Raclurland, The Land of Chaotic Beginnings. Et du coup, on a la map. Mais elle était pas comme ça la map de. Elle était pas comme ça la map d'Elec. Elle était. Il y avait tac tac tac. Bon, bref. Labs. D'accord. Bon, c'est pas clair. Hein. Bon, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment cet endroit. Ce building garantit l'accès à des features externes. Comme le storage et le multiplayer. Alors le multiplayer est pas totalement au point encore. Mais ça y travaille, hein, je vous jure. Ouais, bon après il faudra voir ça plus tard, mais il faudra passer par un autre émulateur. Parce que dans l'occurrence j'utilise VBA, mais il faudra utiliser MGBA. Et il faudra une appli pour pouvoir jouer en ligne. Il me semble, donc c'est quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, on attend patiemment, mais le multijoueur, ça viendra un jour. C'est quoi ça? D'accord. Donc ça, il faudra faire ça quand on aura le multijoueur. Enfin, on pourrait le faire en vrai, mais le multijoueur, je crois qu'on n'autorise qu'une personne en plus. Et donc là, c'est notre système PC. Ok. Très bien. Et bon, je vais fouiller, j'en profite, hein. Ok, ça c'est pour Western Alpha. Ok, donc vous voyez, c'est pas encore au point. On n'a pas besoin. Je veux juste voir. Ah, non, il y a personne. Bon, on va pas insister là. C'est la partie multijoueur. Mais sachez que si vous le cherchez, c'est ici. Ah, bon, lui, il me dit d'aller me faire foutre. Très bien. Tu peux upgrade ton sac pour 500, j'ai pas d'argent. Voilà, j'ai pas d'argent, je suis au chômage, j'ai pas d'argent. Voilà. Bon, du coup, on peut partir d'ici, il n'y a pas d'objet, on est d'accord. Hein. Ok. Du coup, là, il n'y a rien, on a vu le labo. Oui, ça c'est le config lab. Et ici c'est pour commencer la partie, c'est ça? Questbook, très bien. Donc ça, le Questbook est votre ami, hein, bien sûr.
Il y a beaucoup de quêtes à faire. Voilà. Donc vous avez toutes les quêtes incroyables. Partez à l'aventure. Les badges. J'imagine qu'avec les badges, il faudra refaire les. Il faudra rechoper les CS. Voilà. Bon, après, vous avez plein de choses. Il y a... Je pense qu'il y a. Elle n'est pas exhaustive la liste, hein. Il y a sûrement d'autres trucs à débloquer. Parce qu'il y avait plus de quêtes que ça avant. Mais ok, donc ça c'est bon. On a le PC même là si on veut, hein. Ok. Bon, moi je vous propose qu'on y aille, hein. Parce que bon, il est temps, hein. C'est parti. Donc, à quelle sauce on va être cook là, hein? Là, on y va découverte, hein. Après, on tryhard, hein. Ok, il y a un panneau. Alors, vous voyez, hein, il y a toujours les rochers, les boulets et les herbes. Ce qui change, c'est la couleur de ceci. C'est bon, c'est pour identifier, j'imagine, les types plus ou moins présents dans la zone. Donc là, rouge corrosif, donc ça peut être du poison principalement. Chili. Alors, chili, c'est froid. Et warm, ça va être feu. Et le panneau, qu'est-ce qu'il dit? Mysterious sign. Ça, on l'a pas vu, ça. Ça, on l'a pas vu, ça, chez Elec. Hein. Bon, moi, on y va. Sans, au pire, on perd de suite, quoi. Ah non, c'était ça. Ah, c'était ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis au milieu. Comment ça, je fais des panneaux? Some information of the upcoming gym leader. Ah, genre, je peux savoir quel est le. Ah ouais, d'accord. combien? D'accord, donc tu peux connaître le champion de la zone. Bon, en l'occurrence, si tu connais son Pokémon le plus fort, c'est un moyen de détourner de se connaître son type, non? Enfin, tu peux théorycraft, quoi. N'avons pas beaucoup de visiteurs, hein, nous produisons ces panneaux. Hein. Comment ça? Spécialiste in Water Type, quoi? Je crois que le gym se spécialise dans les Pokémon de type eau. Donc ça voudrait dire que y a des Pokémon de type eau. Game Show, ça m'intéresse pas, non? Bon, on va chercher un peu de Pokémon. Ok, sans coquille. Pokéball 3. Oh, Cornèbre! Oh, Cornèbre, c'est plutôt un oui. Maintenant, ah, je le tue avec un Implore par contre. Ok, je peux prendre des new moves. Donc ça aussi, les attaques, vous allez voir que vous ne les apprenez plus au combat. Attends, mais je peux utiliser le bouton R du coup, c'est ça? Ok. Donc Cornèbre est capturé. Donc voyons ça. Donc du coup Ferrosinge, on peut lui learn des moves. Il a pris Sismictos. Oh, il l'avait déjà peut-être. Donc Covette c'est bien. Hein. Moi j'ai pas envie d'apprendre combo griffe. Donc Cornèbre, Lax, c'est un peu nul Lax. Les IV sont. Ouais, les UV sont pas ouf. Ok, bon, ça fait un Cornèbre. Alors, il y a du coup. Ah oui, du coup, il n'y a que deux Pokémon. Donc, il y a Sancoquille et Cornèbre. Alors, on pourrait capturer deux Cornèbres, mais on va peut-être capturer un Sancoquille, non? Il faut que je m'habitue à ce que ce soit en toggle la course, parce qu'à chaque fois, j'appuie sur le bouton par réflexe. Est-ce que ça tue? Non. Hein. Ok, armure. Ouais, baisse ma précision, il n'y a pas de problème.
Ok, sans coquille, sans coquille, sans coquille, sans coquille. Timide, Storm Drain. Ah ben c'est des Pokémon de type. Oh, c'est bien. Bon, timide, bon, hein, c'est un moindre mal, on va dire. Ok, je peux accélérer comme ça. Ice Hill, ouais. On va essayer de récupérer un max d'objets en vrai pour l'instant. Heal Ball, c'est bien. Antidote. Ah, j'aurais pu passer par en bas pour... Alors, Askip... on pourrait voir les shiny... dans les herbes. Hein. Ok, Sapero... il va se prendre un petit low kick. Hein. Bon, je pourrais presque augmenter la vitesse encore de... Ah mais non, il a pris les attaques. Ah oui, non, mais attends, les attaques, il faut quand même que je les gère... Ah non. Ok, tant que j'ai de l'espace, il les apprend, quoi. Ah oui, le recover, il a 5, par contre. Ah, ils ont update ça. ils ont update ça, au secours. Hein. Ah, ils ont mis vraiment les PP de la 9G, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Munchcrow, il a pris quoi, là, Murkrow? Wing Attack, ah oui. Alors, à place de Peck, hein. Ah ouais, les moves de soins à 5, Sage, hein. Ah, merde. Bonjour. Emolga, très bien. Est-ce que Comet, ça tue? Oui. Bon, ça va, ils sont gentils, ils sont niveau 2. J'ai pas vu du coup, j'ai pas vu l'abbé. Pachoberry. On va faire les dresseurs un petit peu, mais il n'y a pas forcément besoin, c'est vraiment pour récupérer l'objet là. Venipede. Bien sûr, je me fais empoisonner, évidemment. Sinon, ça n'est pas drôle. Poison Point, merci. Ok, Burn Hill. Est-ce que je vais vraiment chercher l'item qu'il y avait là? Oui. Hein. Health Feather. On pourrait commencer à les utiliser en vrai. Alors, c'est le sans coquille rose, hein. C'est pas le bleu pour le coup. Je connais pas le taux de shiny par contre. Je sais pas si c'est un taux classique ou si c'est diminué pour le jeu. T'as pas point poison toi, c'est bon. Donc du coup potentiellement c'est une arène de type O. Hein. Mais il y a tellement de dresseurs. Ok, potion. Sweet Feather. Bon, logiquement on ferait pas agresser dans l'herbe. Hein. Sauf si vous marchez évidemment sur le Pokémon visible. Hein. Ok, Tauros, oui, bah excusez-nous. Hein. Ok, bah le jeu est gentil pour commencer quand même. Hein. Paralyze Hill. Ah, mais on pouvait passer par là. Oui, très bien. Genius Feather, alors est-ce que du coup je commence déjà à mettre des plumes sur les Pokémon? Ah mais j'ai encore Battle Prep, Decker Restop, ça c'est nouveau. C'est nouveau donc on y va. Donc je peux me soigner. Très bien. Très bien, très bien. Veux-tu acheter quelques traitements? Bold. Ah mais Bold c'est bien pour sans coquille ça. Hein, en vrai. Et après on pourrait jouer un... on pourrait presque jouer un... un corps boss avec Timide.
Mais bon, je pense que le mieux est physique, mais... Shiny Pokébloc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je pense qu'on va prendre un bold pour... pour 100 coquilles. Je pense que c'est une bonne idée. Évidemment, c'est pas là-dedans. Alors, est-ce que, du coup, je soigne... Enfin, je vais donner ça... Vas-y. Vas-y, trust. Je vais le HP défense. Ça sert probablement à rien, mais... Vitesse. Oh, la vitesse, on va donner la vitesse à faire au singe. Et du coup, le mint. Allez. Du coup, on est soigné. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Je suis le courrier. Touristox Sam Pokémart. Mais lui, c'était pas. Lui, c'était l'arnaqueur, lui, là. Lui, lui, déjà, il est cher. Je peux garder un Pokémon pour toi si tu veux. Ah mais du coup, qu'est-ce que ça fait cette histoire? J'ai pas assez de Pokémon donc je vais pas en donner un quoi. On va voir ce que c'est ça. L'arnaqueur avec Romain Duris, c'est Vanessa Paradis. Ouais, ouais, si vous voulez, ouais. Ouais, c'est bien entendu, ouais. It's a mighty trainer. Du coup, c'est les embrouilles. Hein. C'est les embrouilles, un des films de tous les temps. Oui, j'irai pas jusque là, mais c'est un bon film. Du coup, on a tout vu, bah, on y va. Hein. Oh, j'aurais presque envoyé 100 coquilles. Hein. Vas-y, trust, c'est bien le type O. Est-ce qu'on nous a menti? Allô? Ah merde, allô? Allô? Ah allô? Bah attendez, petite pause YouTube. Hein. Re YouTube, hein. Désolé, le stream avait sauté. Hein. Y'a pas un DL Steam? Bah j'ai pas ouvert Steam. Ou fenêtre update. Mais j'ai rien ouvert. Y'a juste OBS et Discord. Terrible. Bon du coup Ah bon? Il est à lavabo, c'est ça? Ah oui, mais il est pur eau en fait. Merci en tout cas le chat, vous êtes lucide hein. Bon en tout cas ça ne bougera pas pour la VOD puisque le local record est présent hein. On va switcher parce que bon, on est un peu emmerdé sans coquille contre sans coquille. Et non, tu ne peux pas me toucher avec ton attaque sol, merci à tous. Oh oui, ça fait mal. Water Pulse miss. Attends, comment il peut rater Water Pulse? Ah mais parce que je lui ai fait un mud slap, hein. C'est du génie. Ah non. Pas Bargantua. Bon, Bargantua, ça veut dire que potentiellement dans le jeu, il y a Paragruel. Paragruel, Patrick Gruel, bien sûr, là. En légende, hein. Le fameux, hein. J'ai pas... D'accord, bah, mais je... Au revoir, Cornèbre, merci à tous. Est-ce qu'on va perdre direct par Bargantua? Mais il est plus rapide que moi, au secours! Il y a un mode Nuzlocke. Alors, sur la version précédente... Non, enfin, non. J'allais dire, il y a un mode Nuzlocke, il y avait un mode... Gauntlet, mais le Nuzlocke est activé de base, puisque si tu perds un Pokémon, eh bien, il est perdu définitivement. Après, il y a des moyens de les faire revenir mais par des objets ou par un PNJ, mais ça arrive pas souvent.
Là, à partir du moment où tu perds des Pokémon, ils sont perdus, hein. Littéralement. C'est le principe de la ROM aussi. Tu dois aller le plus loin possible et ben, si tu perds des Pokémon en route, eh bien ils sont finito. Donc là, Cornèbre, c'est salut. Exactement. C'est pas comme sur Pokérogue où sur Pokérogue tu peux faire des rappels et rappel max sur les Pokémon. Là, vraiment, c'est loose, hein. Après, tu peux en recapturer dans les zones suivantes. Donc là littéralement, j'ai perdu, hein. Quoique j'aurais pu switcher sur Sanko, je suis un peu une merde. Mais. Parce que là, concrètement, j'aurais pu ne pas perdre Ferrosinge. Il a peut-être Torgnole, le. Il a Mudshot. Ferrosinge aussi, c'est salut, ouais. Oh, ça va être compliqué là. Oh, le Mudslap. Oh, heureusement, Hypnose ne passe pas. Kurosinge 2027. Ah oui, mais après, là, rien ne nous empêche d'en trouver un autre. Ferrosinge, Colosinge ou Kurosinge. Et de le recapturer. Après, il y a des modes dans lesquels tu peux pas les recapturer derrière. C'est-à-dire qu'il y a des species closes qui font que, par exemple, tu ne peux pas avoir deux Ferrosinges dans ta run, par exemple. Ou un Ferrosinge et Colosinge. Ou Ferrosinge et Kurosinge, enfin, vous avez compris. Là pour l'instant le mode n'est pas activé puisque là on est reparti sur une save de zéro puisque la ROM n'est pas compatible avec les anciennes sauvegardes. Bon du coup ça permet de reprendre à la dure le jeu hein. Bon on l'a battu mais on aurait pu éviter de perdre Ferrosinge. Hein. Donc on peut éviter cette zone là du coup ça c'est assez rigolo. Average Gloomy. Alors Gloomy. Vu que la roche est noire, peut-être c'est du ténèbres. Hein. Peut-être. Hein. Une zone plutôt ténèbres en tout cas. Et là, une zone feu. Mais en vrai, je pense que je vais prendre la zone feu. Hein. On a passé le dresseur aquatique. Donc là, en plus, j'ai pris le perso 5G. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un champion 5G. Alors que Elec hier a pris un perso de 4G, a pris Lucas. Et il a eu des champions de 4G. Donc ça c'est intéressant ça. Après c'est peut-être... tu peux peut-être les randomiser à un moment donné les champions. Donc là on partirait sur des champions de 5G. Intéressant. Donc du coup là le principe... voilà je parle pour Hermoun parce que les autres vous connaissez Emerald Rogue. Du coup là en fait plus tu avances... Tu avances là il y a en gros il y a 8... Il y aura les 8 champions à battre. Plus le conseil 4 et le maître. Donc plus tu vas avancer, plus tu vas gagner de niveau, plus ce sera difficile, plus tu vas avoir des objets, etc. Et le but c'est d'aller au bout de la run. Du coup j'avais dit type feu. Oh, il y a Caninos. Ouais mais c'est pas le Caninos de 18 ça. Oh, l'Arcanin d'Issui, en vrai. Combien il prend sur Water Gun hein? Et quand tu vas au bout de la run, tu débloques des trucs. Alors, au début, au fur et à mesure que tu bats par exemple le premier champion, le deuxième champion, tu débloques des trucs. Et au fur et à mesure, ouais, tu débloques des quêtes normalement, si ça n'a pas changé. Dans l'ancienne version, tu pouvais faire des monotypes, tu pouvais randomiser, je crois. Je sais pas si tu pouvais randomiser des trucs. T'avais des quêtes de genre monotype, fallait finir avec que des types ténèbres, finir qu'avec des légendaires, finir. Bah, t'avais plein de quêtes, de toute façon, t'as le livre de quêtes et il t'indique tout ce que t'as à faire. C'est assez. Ça, c'est huge. Le contenu est infini, hein, vraiment. Et là, en plus, ils ont mis la 9e génération, donc tu peux avoir tous les Pokémon de toutes les versions. C'est assez solide, hein. Alors Caninos, il est comment? Il est hardy. Il est hardy, il est hardy. Oh, il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal ce Caninos en vrai. Est-ce qu'on capture du coup le lit magma? En vrai, on a tout intérêt à les capturer. Cela, Odrayul, par contre, c'est oui, hein. Ça fait un poké assez bulky pour le début. Bon, encore faut-il le capturer et pas crever.
sais pas s'il sera plus difficile à capturer que les autres. Hein. Non mais faites pas protect, ça suffit. Quoi, il y a le chien d'une histoire sans fin en face de toi. T'es c'est drayeul. Hein. Est-ce que ça va rentrer là? Bon, let's go! Tuez-moi. N'importe quoi. Du coup, il est mild, super, il a moins de défense. Après, il a des IV plutôt nets. Ah, du coup, j'ai pas d'attaque à lui apprendre. Est-ce qu'on prend celui-là? Oui, hein. Un petit feu, flammajou. Water Gun le tue. Ça le tue pas. Ok. Et du coup, il y a un système aussi où en gros, vu que quand tu mets les codes des Pokémon, tu gagnes les niveaux plus vite. Et il y a un système de level cap pour ne pas être trop abusé sur les champions suivants. Parce que si tu le mets pas, t'as vite fait de rouler sur le jeu et c'est pas intéressant. Alors, est-ce que je capture un deuxième Kaninos en vrai? Alors, typiquement, voilà, là j'ai pris 4 niveaux. Et si ça n'a pas changé, je devrais être capé au niveau 25. Bon, je vais les monter tous niveau 25, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Sachant qu'il y a des dresseurs dans la zone. On verra les attaques après. Oh, mais il y a Mucuscule! Ah ouais! Voilà, typiquement, il est niveau 17, le Dryel. Ouais, j'ai plus que 10 coups de boule, hein. On va se calmer quand même sur Volvie, hein. Est-ce que je peux le capturer comme ça, là, déjà? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je peux le faire R. Hein. Ok. Bon, ça va, les premiers sont pas très difficiles à capturer. Du coup, je suis niveau combien? 23. Ouais, l'Imagma, il faudrait que je le capture aussi. Hein. Sans plus vous capturez de Pokémon et plus après vous pouvez. Enfin, si vous avez des Pokémon, vous pouvez changer de starter après. En fonction de ce que vous avez déjà capturé. Niveau 25 U. Est-ce que je capture l'Imagma? Oui, vas-y. Est-ce que Water Gun, ça fait combien? D'accord. Donc là, voilà. Là, on a un exemple de je ne peux pas bouger le rocher parce que je n'ai pas débloqué la CS Force. Et la CS Force, je pense que se débloque au bout d'un certain nombre de champions. Pour l'instant, comme on n'en a battu qu'un seul, ben on n'a rien. Goumi, on l'a déjà. Vraiment, je vais essayer de capturer l'Imagma. Voilà, donc du coup, tu débloques les CS comme Surf, Coupe, etc. Et une fois que tu as fait les champions, normalement, tu les as toutes et tu peux avancer. Bon, c'est juste pour gagner du temps. Hein. Là, en l'occurrence, je fais le tour et ça me bloque pas pour la suite, quoi. Ok, l'Imagma, est-ce qu'il va rentrer direct? Bon, ça marche aussi, hein, vraiment. Est-ce que je le mets au niveau 25? On va pouvoir le faire, de toute façon. On va regarder s'il y a des objets. Donc, évidemment, dans les niveaux comme ça, tu peux trouver des objets. Oh, Icy Wind, c'est pas mal. Bon, évidemment, ils sont randomisés, hein, c'est comme un rogue, donc forcément. Les items ne sont jamais les mêmes. Les zones ne sont jamais les mêmes. Les Pokémon ne sont jamais les mêmes. Selon ta run. C'est vraiment Isaac version Pokémon, quoi. C'est... Ah, il y a elle, là? Alors, je vais peut-être mettre au niveau 25 l'Imagma aussi. Hein. Elle, ces combats comme ça, où il y a Bianca, par exemple, ça n'était pas avant. Ok, est-ce que j'ai des potions? Je récupère des potions, rassurément, hein. Oui. Ok. Bon, on y va, on va l'affronter, hein. On est là pour ça, hein.
Oh, hihi. Ah, tu es Master, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi, ouais. Sois gentil pour l'XP. Bah, ça évite, ça fait gagner du temps parce que sinon, ça prend diplôme. Et comme de toute façon, tu vas affronter un champion qui est à ton level cap. De toute façon, autant être généreux, hein. Oh, c'est un très bon système pour. C'est un très bon système parce que les runs sont longues, donc autant que l'XP soit rapide. Et tu vois, les Pokémon et les dresseurs globalement dans les zones ne sont pas difficiles. Le défi réside dans les champions. Du coup, Meowth de Galar. Meowth de Galar. Là, putain, Swagger, mais non, mais. Ça, c'est pas gentil, ça, par contre, hein. Bon, après, c'est la confusion de 9G, donc normalement, on n'est pas confus, regardez. Bon, alors, du coup, si je perds Kadina, c'est finito, donc bon. J'ai pas vérifié les attaques des Pokémon, il faut que je le fasse avant le champion, hein. Ok, jackpot. Ah, j'ai Roxtraw. Ah ouais, mais du coup. Ah, j'ai bâillement quand même. Non mais. Dans la mise à jour, ils auraient pu bannir Vantardise quand même. Hein. C'est insupportable. Metal Claw, c'est bien. Je vous ai dit, c'est la confusion de 9G, donc je suis pas confus. Ok, Sandile là. Mascaïmon. Ah, c'est bête, hein, j'ai plus mon Cornèbre. J'ai plus mon Cornèbre, c'est sage. Hein. Je rappelle que mon Drailleul, il a moins de défense. Hein. C'est ça, hein, il est mild. Hein. Ah, j'ai 83 en attaque spéciale quand même. Hein. Ah oui, mais du coup, je vais protect. J'ai protect, je m'en fous. Allez, code voice, ça. Non, mais ça suffit! Ça suffit, suffit, mesdames et messieurs. Bon, je suis obligé de prendre un tunnel, quoi. Après, Drail, voilà, ça tape fort, mais c'est lent. Ah, oui, madame. Lycanroc. Loup-Garrocque, dis donc. Ah, c'est bien pour mes types feu, ça. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait abri, hein. Psychic Fang. Regardez, j'envoie l'Imagma et ça proc corps ardent. Allez, Karog 25, on s'en met pas. Et c'est même pas le champion, hein. Allez, corps ardent, regardez. Voilà. Il se refuse rien quand même le Lycanroc, hein. La Psychic Fang, hein. Ça tue jamais. T'as mis des dégâts en plus, il doit avoir Prognat ou Non, il a Griffe dure hein, ou J'ai plus le nom du talent. Eh, heureusement qu'on l'a brûlé parce que ça aurait été très compliqué. Ouais. Ah, tu as un solide cookie. Ouais. Eh ben, après, ceci dit, j'ai perdu. Ah, mais un soigné par contre. Ah. Je peux recapturer l'Imagma.
Si j'ai envie. Donc en vrai, worse. On a fait Arden, ouais. Je sais même pas pourquoi je l'affaiblis alors que... Alors que il faudrait qu'il soit full vie, mais... Oui bon, par contre, hein. Ok, donc là... Ah ouais, mais là, je suis qu'ici. Ah ouais... La catching contest. Ah oui, ça j'ai vu, mais j'ai pas tout compris. Today, donc il y a une compétition de capture de Pokémon Dragon. Et j'ai Dryeul, hein. Bah vas-y, je suis curieux en vrai. Si tu arrives à capturer le Pokémon avec la plus grosse défense, tu gagneras un prix spécial. J'ai droit à 3 Safari Balls. Autant, mais c'est le truc 18 ça. Ouh, c'est le truc 18 ça. Ah, il y a Nidorigon aussi. Attends, qui c'est qui a la meilleure défense en vrai de... Oh putain. Oh, il ouais, y a lui là. Ah ouais, il y a Drudigon, hein, c'est un BG lui. Hein. Mais je pense que celui qui a la meilleure défense, c'est le petit de... Enfin, c'est l'évo de Mucuscule. Hein. Donc j'arrive pas à me rappeler le nom. Oh, il y a tellement... Oh, y a tous les dragons là. Ah oh, ouais... Ouais, Nidorigon, c'est sexy quand même. Hein. Oh. Oh bah... Ah bah let's go. Non mais voilà. Non mais c'est lui qui a la meilleure défense, c'est sûr. Pas du tout. Il est plus sur le spé. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de le garder? Shiny Quest, bah voilà, typiquement j'ai fait la quête des... Oh, en vrai, lui il est strong, si on le prend, lui c'est strong. Hein. Ah mais j'ai le droit de garder qui? Parce que lui c'est strong hein, au level c'est strong l'Evo hein. Bascalibur, bon, c'est le nom en anglais mais j'ai oublié son nom en français mais... Vous me le rappellerez mais... Putain ça... Mais moi après j'aurais pris l'Evo de Mucuscule hein, parce que... Je pense que c'est lui qui a la meilleure défense. Après Boumata ouais c'est vrai qu'il est bon. Y'a plus de Poké? Non, tu rigoles. Attends, mais y'a plus de Poké là? Comment ça? Ça mais comment ça? T'as capturé un, c'est finito? Ah bah visiblement. Hein. Bon bah, trust, on a Nidorigon shiny. Hein. Bah, est-ce que j'ai le choix? Bah, j'ai pas le choix, hein. Bon, c'est sûr, c'est perdu, hein. Ah, c'était sûr. Hein. Nidorigon, il a pas de défense. Ah, c'est fou, c'était Boumata, du coup. Ah, on me l'avait pas dit dans le chat, surtout. Hein. Tu dois release... En vrai... Ah, j'ai deux dragons, déjà. Hein. Est-ce qu'on vire Goumi, en vrai hein. Quoi qu'en vrai, Goumi, c'est 40 qu'il évolue. C'est 40 Goumi et après il évolue 50 sous la pluie. Dryel n'évolue pas, mais on a un Pokémon fort pour le early game. Je sais pas trop. Hein. Ou je vire l'Imagma, mais il nous a sauvé le cul. Hein. Bon, je garde Nidorigon. J'enlève Goumi en vrai, vas-y. Je crois en mes convictions. Ok, Decker. On peut se soigner là, ouais. Donc je vais soigner. Se soigner, mais je suis soigné, non? Ah non, l'Imagma, non. On va vérifier les attaques avant de s'attaquer au champion, non? Déjà. Ah oui, mais déjà, j'ai pas monté le niveau de Tsugiregi là. On va le faire après le Levenard. Attends, du coup, qu'est-ce que tu proposes? Adamant!
Adamant et Jolie. C'est qui peut en bénéficier, la Caninos en vrai? Caninos. Et c'est tout. Ah, on pourrait jouer timide. Oh, timide Pansir, bof, hein. On joue Adamant Caninos. Il est quelle nature déjà? Ah, il est hardi, il était pas si mauvais, hein. Non, mais vas-y. Et je vais acheter un joli pour éventuellement un autre Pokémon qui viendrait. Et toi, t'es le fraudeur, toi. Toi, on t'aime pas, toi. Dawnstone? Mais lui, c'est pas clair parce qu'il donnait pas les objets, c'est ça? L'ability patch à 7000, j'ai envie de crever. J'ai pas de Pokémon qui évolue par des pierres, non? Toi, t'évolues par niveau. Caninos, pierre-feu. Pierre-feu. Ah oui, si, en fait, j'ai des pierres-feu. Mais t'avais. Oh, t'avais Firestone. Mais je peux en acheter deux ou pas? C'est quoi la dinguerie là? Ah lui il faut. Ah alors du coup c'est quand je le revois qu'il va me donner les pierres. Ah si c'est ça c'est très grave. Hein. Parce que là du coup je me suis fait enfler. La preuve en image. Hein. C'est que j'ai Icy Wind. Je pense que je me suis bien fait enfler. Relaxed, en vrai. Ah ouais, mais il avait plus. Ouais, ça m'emmerde un peu qu'il baisse. Il avait l'attaque spéciale quand même. Hein. Peut-être pas lui donner de suite. Donc si jamais, je sais pas si Hermont est toujours là, mais bon pour YouTube au pire, si vous n'avez pas monté le niveau de vos Pokémon, vous pouvez le faire avant le champion, hein, ça n'a pas changé, pour être capé au champion. Non, ça va, j'ai eu peur de pas tuer le Levenaar niveau 1 quand même. Hein. New move, ah voilà, donc du coup c'est maintenant qu'on va regarder les moves parce que. Ancienne Power, c'est oui. Est-ce qu'on apprend Body Slam? Hein? Non. Growlithe, qu'est-ce qu'il apprend Growlithe? Firefang. Ouais. Helping Hand. Agility? À méditer, Agility. Ah ça c'est bien. On va prendre Glaire. Bon il est pas mal le Drampa il est pas mal. Hein. Ouf. Ouh il y a des attaques ici hein. Ok, on va prendre Flame Burst. Ah quoi qu'on avait déjà Incinerate. Ok. Bon c'est un peu studieux hein mais si je vais prendre un Clear Small quand même. Et le Tsugugiri, il apprend Water Pulse. Splash, on s'en fout. Est-ce qu'on apprend Soak en vrai? Oui, à la place d'Helping Hand en vrai. On sait jamais s'il faut convertir le type, mais bon, c'est très situationnel. Et qu'est-ce qu'on met en premier? On va mettre Caninos pour Intimidate. Hein. C'est parti. Hein. Ah, des bugs Pokémon, dis donc. C'est Artix. Hein. C'est Artix.
Oh, c'est Burg. Oh, le call gagnant. Ah, mais incroyable. Il y en a qui ont eu moins de chance parce qu'ils ont pris Azumarill, Coloforce, Cognobidon au deuxième dresseur. Donc à partir de là, quand le Azumarill est à Aquajet ou aux liquidations, ils se font ouvrir. Ah, ça le tue pas par contre. Sage. On va assurer le Flame Wing. Attends, attends, parce qu'on parle, on va peut-être se faire karma avec un putain de Pokémon insecte. Attends, s'il faut, il a haché 14, hein. Ne faisons pas les malins, hein. Haché 14, on suit, hein. Si c'est haché 14, j'ai envie de me... Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, saved. C'était pas chez Cater, ça va. Ça va, c'est bon. Morning Sun, comment ça? Comment ça ta Morning Sun, toi? Évidemment, je suis paralysé, bien sûr. Non mais, ça suffit. Le champion insecte est belge. Ah, peut-être. Non, mais par contre, le Parax, merci. On va tellement se faire punir sur le troisième champion. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête de te soigner, merci. C'est perdu, hein. Ok, deuxième badge complété. Et du coup, les récompenses, on les récupère à la fin de la game. Ok, j'ai perdu. Et il me semblait qu'il donnait quand même les CS au fur et à mesure de la run, hein. Ouh, alors, confusing, c'est du type 6, ça, probablement. Allez, panneau, ouais, bof. L'habitat d'un Pokémon sauvage. Onitri habitat. Mais ça, c'était pas clair. Calme, corrosif. Corrosif, poison, chili, glace. J'avais bien envie de prendre un type 6, en vrai, hein. Ouh, il y a du beau monde ici. Il y a du beau monde. Est-ce que tu rentres? Bon, là, va falloir faire des choix. Hein. Va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix parce que... Mon Orpal, lui, là... Son évolution broken, là... Par contre, j'ai pas de pierre glace pour lui. Alors, en vrai, Slugma. Hein. Merci pour les travaux. Hein. Bon, du coup, t'es obligé de garder 6 Pokémon, hein, donc tu dois faire des choix. Hein. Bon, Culbutoke, Danticris. Oh le. Là, le pool, il est pas mal. Hein, en vrai. Ouais. Très bon psy, ouais, j'avoue. J'avoue. Et en vrai, d'Anticris plutôt que sans coquille, qu'est-ce qu'on en pense hein? Sachant que j'ai récupéré le Jolly Mint. Hein. Bon, je vais save quand même parce que si je rate la Pokéball et que je me prends... Je pense que d'Anticris en vrai c'est pas déconnant hein. Bon, par contre. Je pense qu'en vrai on fait le move hein. Après sans coquille c'est bon, on peut avoir Tritosaur parce que c'est combien Tritosaur hein. C'est niveau combien? Les experts là, 37, 36 avant. Les experts du jeu là. Les experts des niveaux là. Les experts Poképédia là. C'est combien Tritosaur? 30?
Ah, ça se défend, hein. Si c'est 30, En vrai, Tritosaur, en plus, il a recover, hein. Non, vas-y, je prends pas. Je sais cure en vrai. Hein. Je pense que c'est le. Faut garder Tritosaur. Ah, je le tue pas. Mais mon Monorpal va évoluer aussi. Oui, bon, là, niveau 29. Qu'on va insister, hein. Ok. 33. Ah ouais, niveau 30. Ah mais oui, mais c'est vrai que du coup, les évolutions, il faut le faire manuellement maintenant. Let's gong. Gastrodon, Muddy Water. Non. Le truc, c'est que je me rappelle plus. Par contre, je me rappelle plus de mon Orpal, il évolue après niveau 35. Ou pas. Ah non, il évolue maintenant, donc en vrai, trop bien. Let's go. Là, on est bien là. Doublade. Oh, qu'est-ce qu'il est stylé ce Pokémon. Faut faire largement Doublade à Exagide, hein, spoiler. Learn Move, vas-y, on va prendre des attaques là. Rhytidiate Crunch. En vrai. Je vais peut-être enlever Growl, hein. De toute façon, on pourra apprendre les attaques de toute façon. J'ai toujours Body Slam. Allez, Body Water, est-ce qu'on a vraiment envie de l'apprendre? Oh, je crois qu'à la place de Mud Slap quand même. Hein. Je pense que ça se fait. Hein. Ouh, 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 il y a des trucs là. Extra Sensory. Code Voice c'est bien, hein, mais enfin, c'est ok quoi. Glare Protect. Pour l'instant, on n'a pas d'objet sur les Pokémon. Le Doublade, par contre, il va être bien, non? Shadow Sneak. Ouais. Qu'est-ce que t'apprends? Night Slash. Est-ce qu'on apprend Iron Defense? Ah, Totomize, c'est bien, hein. Enfin, je vais garder Totomize. Ice Fang, on enlève. Oui, bon, après, il suffit qu'il juste il ait une attaque, lui. Et le dernier, Memento, évidemment, pour perdre Nigirigon dans la run, bêtement. Hein. Tom, c'est pas mal, en vrai. Bon, à la place de... De détrempage, hein. Ah oui, il y a lui aussi. Ok, le but, ok, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de fuite. Il y a des objets. Est-ce qu'on a raté les objets par ici? Ok. Ball Mint. À qui on peut donner Ball Mint, du coup? Ah, Tsugu Nigirigon, hein. Attends, c'est moins attaque, hein. Ok. Ok, un dresseur là. On peut l'éviter si on a envie, hein. Je crois. Oh, il y a une CT. Snarl. Ouais, Snarl c'est bien. Hein. Putain, on pourrait aller là en vrai. On n'a pas surf. Bon, on y va, on va se faire karma au troisième champion. Hein. Ok, ça c'est quel aromate? Rash? Ah, c'est pas ouf, Rash. Oula, mais il commence à y avoir des trucs intéressants. X-Speed. Mild. Oh. Ah, comment ça, j'ai trop de.
Comment ça j'ai trop d'objets là? Ah oui, 30 sur 30. Ah oui, ça aussi, ça c'est une nouveauté du jeu. On n'a plus le sac illimité, mais vous pouvez débloquer des emplacements de sacs. Le truc, c'est que j'aurais dû vendre des trucs en vrai. Attaque spéciale. Vas-y. Je fais confiance à Drompa. Spedef. À qui on augmente la Spedef là? Oui. À Gastrodon. Bon, sachant que les plumes donnent un EV à chaque... Ah merde, mais X-Speed c'est en combat. Et on va récupérer le Timide. Timide, qui c'est qui pourrait être éventuellement intéressé par Timide? Personne. Est-ce qu'on a loupé des objets en bas? Ah oui, il y a des objets en bas. Bonjour! La Team Galaxy. Oh, stylé, ils ont mis la musique. Hein. Oh, on a Flinch le roublenard. Incroyable. Trust. Mais comment ça glaire? Arrêtez, hein. J'ai vraiment raté Ice Punch là. Il est aveugle ce Darumaron là ou Putain j'ai agitation. Et je suis modeste. Non mais de toute façon on ira en rechercher un. Je modeste, bon. Hein. Vous avez compris quoi. Allez, celui-là, il est. Du coup, il est timide. Ah, mais du coup, il est reparti 26. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est timide, c'est ça? Non mais c'est une blague, hein. C'est vraiment. Non mais c'est bon, celui-là il est bien. Bon ça va qu'on n'est pas en spécie close parce que du coup j'aurais pas le droit de le récupérer, de faire ce switch là. Mais sérieusement? Après, je suis un peu con parce que... Enfin, je suis un peu... Beaucoup. Parce que bon... En vrai, on fait ça, mais c'était pour l'entertainment, mais j'ai l'aromate jolie. À mon avis, le taux de shiny doit pas être très... Trop... Enfin, doit pas être trop élevé, parce que vu que j'en ai eu un... est-ce qu'on ne s'intéresserait pas des objets là? Non mais je veux pas lui. C'est les objets, c'est ça. Alors ça y était déjà. On va commencer à vendre des objets parce que Real accède déjà. Attends mais on les... Cet esprit là avant? J'ai l'impression de me faire... J'ai l'impression de me faire escroquer là. Ils ont été review les prix, non? Qu'est-ce qu'on vend là? En vrai, on n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Hein. Adamant Crystal. Ah, c'est pour changer la forme de Dialga. On n'a pas Dialga. Ah mais... Non mais eux c'est bon.
Des objets intéressants là, hein. Et l'autre, il vend. Qu'est-ce qu'il vend? Parce que là, c'est con, parce que s'il avait la pierre feu. Il n'a pas la pierre feu. Par contre, il y a l'ice stone. Ice stone, c'est. Merci à tous. Attends, mais. Non, mais ça va quand même pas me faire évoluer Kaninos, ça. Faut que j'ai celui d'essuie. Ah, mais en même temps, j'ai pas envie de dépenser 2100 si c'est pour me faire baiser, quoi. Après, on peut faire ça pour la science, hein. Pour la science. Faut tester la mise à jour, hein. Ouais. Mon premier run d'Armanitan, bon. Bon, du coup, ça sert à rien d'avoir Work Up, hein, puisqu'il pourra faire qu'attaquer de toute façon. Bon, je l'ai pris parce que c'est artefact, c'est pour Dr. Chips. Bon, voilà. Ça lui fera plaisir. Ouais. Bon, du coup, Sage, hein. Vraiment Sage. Hein. Bah, j'ai fait une quête, je sais pas laquelle, mais. Move Deleter. Tu sers plus à rien, toi, Vincent. C'est bien. Merci de tes conseils. T'aurais pu me dire comment il évolue, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce bail là. Alors ça c'est nouveau, hein. Il y a des prix pour les attaques maintenant. Enfin, par attaque. Ah, si j'avais pas dépensé 2100 pour la pierre inutile. Hein. Bon, c'est intéressant, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc... Et j'ai encore une zone là. Typical. Ouais, je vais voir si l'autre il a une pierre feu. Putain, j'aurais pas acheté cette putain de pierre de merde. Combien il me faut? 2100. Je m'en fous, je veux Arcanin. Ça, j'en aurais jamais besoin. Dit-il alors qu'il va se faire glacer au prochain champion. Voilà. J'ai plus que 5 Pokédollars. Ça va vous? Ose me dire qu'il peut pas évoluer. Le fameux Arcanin Terra Herbe. Hein. Extreme Speed. Oh oui. J'ai quand même envie de garder Flame Wheel parce que je peux rater. Voilà, j'ai plus d'argent. Terra Plante version Kanto. Alors, sachant que ils ont implémenté le Terra Crystal dans cette version des Mordrogues, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ah, mais c'est lui qui. Mais j'ai pas d'argent. Oh, mais certainement pas! Certainement pas trade hall, hein. Certainement pas. Bon. Troisième champion, c'est la fin, ça y est. C'est finito. Bon, du coup, hein, hop. Comme ça, on met tout mon niveau 35. Ah, mais j'ai pas soigné Tsugirigi. Ah, ouais. Il apprenait pas autre chose, hein. En vrai, est-ce qu'on apprend morsure? En vrai, ouais, hein.
Me soigner du coup, Nigirigone. Je pourrais presque lui apprendre Icy Wind en vrai à Nigirigone, hein, je crois. Est-ce qu'on le ferait pas en vrai? Vas-y en vrai. Bon, il n'y a pas de move dragon encore. Attends, non. Attends, il n'y en a pas niveau 35? Sage. Oh, j'ai oublié qu'il en avait un. Ah non, il n'y en a pas. Mais les shiny, on lui pardonne tout, hein. Alors, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin des haricots? On a 4 Pokémon, 2 Drio! Ok, Intimidate 2 Drio, c'est pas mal. On va se détendre. Stop it now! Oh, le coup critique! T'as une Bessitrus? Mais Trust, Extreme Speed, ça tue. On a soufflé, hein. Oh non! Oh non! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Azumarill Bellydrum? Mais ben, Linéon peut le faire s'il a envie, hein. Ça va. Ça va, j'ai eu peur. Ça me ferait mal au fion de me faire sweep par Linéon quand même, hein. Ok, Arcanin pour l'instant il porte le game, hein. C'est bien, t'as raté Ultrason, bien fait. T'es Arcanin quel Pokémon, hein? Ok, Fouinard, ça va. Knock-off, hein. Calmez-vous, j'ai pas d'objet, hein. Oh mais bravo Arcanin, hein. Bravo. 3000. Et le Badju. Ah, je te salue. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a du Galaxy là. En vrai, qu'est-ce qu'on voudrait en fait là dans l'équipe, hein? On est faible sur quoi là en vrai, hein, à part Fleur? Bon, j'ai deux dragons, donc on pourrait potentiellement en enlever un. Un type fait nous mettrait tellement bien. Heureux, attends. Ah, un fée nous mettrait bien, hein. Mais je sais pas quel adjectif c'est. Oh, il y a un Pokémon sauvage fort là. Quoi, il y a du Galaxy Eyes. Ouais, il y a type Galaxy. Ouais, si vous voulez, ouais. Il joue Galaxy Eyes, ouais. Là, je sais pas. Vas-y, allez, tu sais quoi? On y va. Allez, je vais là. Lipoutou! Galaxy Eyes, le deck de Yu-Gi-Oh! Évidemment. Lipoutou! Alors oui, Lipoutou, oui, mais Ah non, mais j'ai Darmanitan en glace. Qu'est-ce qu'on s'emmerde Non, mais vas-y, Jinx, c'est pas grave. New move. Lui, c'est quoi, lui? Catching contest. On va recommencer un catching, là?
Allez. C'est marrant le catching contest, on aime bien. Alors c'est quel type là du coup? Psychique. Psychique, ça peut être pas mal aussi, hein. Alors le Pokémon avec la base stat HP la plus haute, hein. Bon. Oh, il y a lui là? Oh, il y a Cléopsytra? Oh, c'est pas Liputou. Oh, il y a Atterène. Ah, mais Atterène, il a pas beaucoup, je crois. Hein. Ah, c'est Piatros? Wesh, c'est qui a la plus haute HP là? Que c'est Astronel, hein. Oh, le Ponyta de Galar, on parlait d'un type fée en vrai, hein. On parlait d'un type fée, Ponyta de Galar. Pas ce que vous en pensez, hein. Ah, il y a Kaorin peut-être en HP. Mais je suis pas fan de Kaorin. Elle me dit pas qu'au bout d'un moment ils disparaissent, hein. Ah ouais, mais d'accord! Ah ouais, il faut se décider vite en fait! Ah, je me suis bien fait baiser! Pardon, YouTube, hein! Ah ouais! Donc en fait, t'es timé, quoi! Ah ouais, il faut que tu te décides vite! Ah, oh, je me suis fait. Bon, bah, rip, hein! Voilà, mais j'ai pas joué au jeu! J'ai pas joué au jeu! Du coup, c'était qui? Ah, c'était Wobbuffet. Ah, il y avait Wobbuffet! Bah oui, du coup, oui. Ah, du coup, oui, c'était lui qui avait les HP. Ah, il y a déjà le champion? Connard! Connard, tu me donnes les Firestone maintenant! Qu'est-ce que j'en fais? Il faut affronter Bianca là. J'ai pas le droit de me barrer là. Planter les baies ou pas en vrai? Ouais, mais je sais pas si c'est les planter pour la run ou si c'est pour les prochaines. Un peu la flemme. Elle me fait un peu peur, Bianca, là. Ça peut s'arrêter maintenant. Ah, ça va, t'as tous les objets de la Terre, mais à des prix faramineux, quoi. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Bon, vas-y, on va se faire ouvrir par Bianca et voilà. À 5 Pokémon. À 43, ouais, je suis 39, ça va vous? Putain, je m'attendais pas à ce qu'on l'affronte, hein. Oh, mais. Je vais finir par mettre une baie. Une baie confusion, hein. Trust. Trust, Arcanine, il sweep tout là, à plus 2. Alors moi j'ai envie de faire crunch, mais ma lucidité me dit de faire pas ça. Ouais, par contre sur le type roche, ouais. Il a close combat le chien. Ok.
Crocodile, bonjour! Ouais, c'est problématique, hein. Il y a un séisme qui part là. Hein. Il y a un séisme qui parle, hein. Mais Swagger, mais. Alors que Crunch a plus de tuer le Lycanroc, hein. Pas du tout. J'ai pas d'objet. Ok, bon, on a paralysé le Crocorrible, hein. Attaque s'il te plaît. Je vais attaquer, t'inquiète pas. Je vais attaquer, je vais attaquer. Ben, j'espère. Ouais, il est paralysé. Oui. Mais la confusion, par contre, ça dure 10 tours ou c'est comment? Oh, le drame pas quoi. Ok, Darmanitan, le normal. Putain, il a un Squeak, hein. Putain, il a Earthquake le bâtard, hein. Il a Earthquake. Hein. Ah, par contre, l'autre là, le Crocorrible, il fait Vantardise, mais l'autre fait pas, il fait pas séisme. Lui, oui. Oh, ça va, je le tiens relativement bien. Bon, Muddy Water, c'est inratable. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Altaria. Je trouve que il y en a, ils ont un peu trop vantardise, hein, mais Brave Bird, ça fait zéro ça. Ah mais oui, mais les dragons volent, espèce d'abruti. Ce que je vais tuer avec Extreme Speed. Ah, c'est pareil. Bon, il reste. Du coup, il reste Lycanroc. Bon, techniquement, j'ai le droit de me soigner. Avec des potions. Je dis bien techniquement. Bon, j'ai Doublade en vrai. Ok. Dommage que j'ai pas d'attaque acier encore avec avec Dimoclès. Bon, normalement je gagne. Oh, le coup critique. Ah oui mais oui il a accès. Ah oui mais il a accès au rock. Quoi qu'il arrive, il me dépassait. Eh ben, elle était pas simple, hein. Je ne peux pas t'arrêter, je serai encore plus forte la prochaine fois. Donc on est d'accord, elle m'a soigné, ouais. Il n'y a que Drampa qui a pris un nouveau move. Oh, light screen. Voilà. Ah, pas ouf, hein. Ah, mais du coup, on a direct le... Oh là là. Oh là là.
Ok, on va se permettre de monter tout mon niveau 45. Ok, Drampa new move, double new move. Ah, il doit apprendre tête de fer peut-être. Donc Drampa, qu'est-ce qu'il a appris? Fly. Ah mais Iron Head, il avait déjà. Non. Et du coup, il y avait Darmanitan, il a appris quoi? Blizzard Belly Drum. Alors, je dois rappeler le talent de Darmanitan de Galar. Faire Belly Drum, c'est du suicide. Hein. J'ose même pas imaginer un mode brutal. Hein. J'ose pas non plus. Hein. Je vous rassure. Hein. Donc on a eu type eau, on a eu type insecte, type normal. Oui, il y a bien type... Qu'est-ce qui peut nous arriver? Attends, mais c'est dragon ça! Non, c'est quel type lui? Un champion dragon ça? C'est pas le dernier de... C'est le huitième lui? Oh le... Oh le col du Darmanitan. Merci à tous. Mais la peau dure hein. Ok, fracture. Je vous jure, je savais pas qu'il était dragon, hein, le... le champion. Mon clic A to win, hein, bien sûr, presse A to win, bien sûr, le fameux. Je m'excuse YouTube d'avoir Darumash ou de Galar. First run. Hein. C'est même pas super efficace. Hein. Oh, pff, Sonic Trail pour terminer. Oh, c'est dur quand même. Hein. Voilà. C'était le champion dragon. À un moment donné, je vais me prendre le karma puissance 10. Hein. C'est. À force de faire le malin. Bonne chance. Ouais, mais il me semblait qu'il donnait déjà les CS hein, avant. Average sharp. Hein. Verdante. Donc, ça a des types plantes. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans, ouais. Oh non. Oh non, on a pas que le but, ok. J'ai des Pokédolls. Hein. En vrai, est-ce qu'on veut vraiment Libégon? Est-ce qu'on veut Libégon? Grass Knot, c'est pas mal. Ou Fermite? Fermite, c'est pas si mauvais, hein. Mais on a Doublade en vrai. Hein. J'ai pas trop envie de m'enflammer sur les captures là. Adamant. Adamant sur Doublade. Hein. Un petit Doublade rigide là. Et timide, on est toujours pas intéressé. Hein. Bon, j'étais à deux doigts de mettre timide sur Drampa, mais peut-être que Drampa, au bout d'un moment, on va pas le garder. Hein. Spiky Shield. Putain, il va falloir que je m'intéresse au CT. Ah, mais on peut avoir des sauvages.
Il peut se barrer le fermite ou Ok, bold. Après, on commence à être limité parce qu'il y a pas mal d'objets intéressants. On est limité à 30 pour la première run. Psychixine. Et là, je peux pas prendre l'eau. J'ai pas encore le surf. Ariel Ace. Bon, en vrai, non. Libégon, non. Là, attends, il y a quoi là? Ah, mais je peux croiser des Pokémon hors truc, hein? Dragon Scale. Ah ouais. Psychic Seed, on n'en aura pas besoin, non? Alors que Dragon Scale, je vais le donner à Dryel. Attends, mais Dragon Scale, on est d'accord que c'est le Crodragon? Non, c'est pas le Crodragon. Hein. Du scam. Ah non, mais c'est le c'est la c'est l'écaille pour faire évoluer Coquiperl, non? Merde, je dis peut-être de la merde là. Les experts. Qu'est-ce qu'ils en pensent les experts à Miami là? Je suis fait scam là, non? Oh, la musique est stylée par contre ici. Je vais être obligé de m'occuper de ce culbutoqué là? C'est pour Eporoi. Ah, c'est. Ah, mais c'est le Crodragon, donc je peux l'équiper alors. C'est bien le Crodragon alors. Mais non, c'est pas le Crodragon. Merde, putain, il a encore Marcombre. Écaille Draco. Ah, merde. Ah, oui, donc non. Comment dire que je voulais l'éviter en fait? Comment dire que je voulais éviter le Quillfish, enfin le combat là. Je peux pas m'empoisonner. Lui peut me faire mal par contre. T'as mes Swagger, vous m'emmerdez avec Swagger. Hein. Ah mais il y a une zone ici aussi? Un soft sand. Putain, mais ils ont fait une zone en plus TM. Ah mais c'est-à-dire que ça je peux la prendre à l'infini? Ah oui, j'ai 30 slots de prix là. Un peu de place en vrai. Hein. Grass Note. Ah, il y a Dryel qui peut la prendre, Grass Note. Personne n'apprend Spiky Shield. Ah, Dryel apprend Aboiement aussi. Hein. Il apprend beaucoup de choses, Dryel. Hein. On n'aurait rien foutu du terrain. Les soft sand, j'ai personne qui a des attaques sol. Hein. Moi, faut que je fasse gaffe avec les culbutoqués parce que j'ai pas 36 000 poképoupées. Et j'ai pas trop envie de me faire troll. Ouais, vas-y, j'ai pas envie là. D'accord, après, on pourrait avoir Flygon parce qu'il évolue. Sol dragon. Voilà team, on préfère Libégon ou Dryel du coup là. Sachant que j'ai déjà un type sol avec Tritosaur. Et j'ai un dragon avec Tsagurigi. Qu'est-ce qu'on en pense hein? Qu'est-ce qu'on en pense la team?
J'ai quoi déjà des Pokémon à... Libégon. Je me pose la question, ouais, surtout que j'ai le Soft Sand. Hein. Vas-y. Oh la barre qu'il a pris sur morsure quand même. Donc du coup la place de Drampa. Ou Tsugurigi, tant pis. C'est pas la place de, duquel des deux. Je pense que... Je sais pas, hein. Ouais, il a des stats solides, hein, quand même, Dryel, hein. Alors, certes, il est plus rapide, lui. Attends, mais il a combien d'HP, 138. Ah, il est plus solide. Et encore, je l'ai laissé avec une nature moins défense, plus attaque spé. Alors que si on le met bold... En vrai, en plus, on met Drampa bold. Vas-y, tu sais quoi? J'assume. Oh, t'as déjà séisme. Bon, il va se passer des choses. Ouais, il peut apprendre à Rael Ace, non? Ah non, il apprend pas. Bon, déjà, on va lui donner le Soft Sand. Déjà. Et on va donner Bold à Drampa. Voilà. Et après... J'ai pas regardé la nature du Flygon, mais... Sérieux? Attends, et du coup dans ses moves, il a Dragon Dance ou pas? Dommage. On va prendre plutôt Bulldoze que Earth Power. Quoi, j'ai presque envie d'apprendre Dragon Breath. Il reste un shop? Ah, il reste un shop en vrai. Du coup, qu'est-ce qui est plus intéressant, ce shop-là? Ah, mais là, je vais pouvoir... De toute façon, je vais pouvoir vendre des items, mais il va falloir que je vende des trucs, là. Dis-moi pas qu'il y a Bianca, hein. C'est bon. C'est bon, il n'y a pas Bianca. Est-ce que tu vends des choses intéressantes? Pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Ah ben le Dragon Fang du coup. Et Violite. Hein, Doublade et Violite. Hein. C'est cher. Hein. Ah, le Loaded Dice ils ont mis. Ok. Et votre pote il vend quoi? Il vend la pierre nuit ou pas? Bah ça doit être pour un sécateur justement. Alors ça c'est pas si intéressant que ça. Thunderstone on n'a pas... Non on n'a pas de Pokémon électrique. Bah du coup je sais pas trop ce dont on a besoin, mais il va falloir prendre des objets. Hein. Est-ce qu'on a... J'ai pas fait gaffe s'il y avait le glace éternel. Spec, c'est non.
Il n'y a pas le glace éternel. Est-ce que je prends le CNSense pour... Ouais, je vais le prendre en vrai. Pour Tritosaur. Protective Pad. Ah, il y avait Mystic Water, ça revient au même. Et Violite, j'hésite à le prendre pour Double Aid. Hein. Vas-y. On a qu'une vie, hein. Dragon Fang. Clear Amulette. Ouais, presque pu jouer Spectre Dryul, mais c'est pas raisonnable. Air Balloon. Ça fait pas non plus rêver, hein. Ça fait pas non plus rêver tout ça, hein. Ça fait pas rêver, hein. Putain, moi et mon Dragon Scale, je vais le vendre. Hein. Faut que je le vende. Donc Gastrodon, il prend le CNSense. Et les Violites à Doublade. Vas-y, veux je vendre des trucs. Dragon Scale, je le vends. Firestone, je vends. Naïve, je garde au cas où. X-Speed, ça peut dépanner en cas de couture. Hein. Et après, éventuellement. Ice Stone, c'est bon. Je suis pas emballé par les objets après. Hein. On va y aller comme ça, hein. Ah bon? Un sacré conseil que tu me donnes, hein. 7. Comment ça, 7? C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. En cinquième arène. C'est quoi le panneau? Ah, elle peut me dire. Ah, il y a le panneau ici du coup. On peut connaître le type de l'arène pour 5000. Ah, mais on va prendre des attaques là, montant de niveau là, non? Darmanitan, Gastrodon, Drampa, Doublade, Flygon. Bon, y a tout le monde qui apprend sauf. Sauf Arcanin. Trash, c'est non. Memento, c'est non. Earthpower, par contre, on va parler un peu. Enfin, Muddy Water, ça me fait chier, hein. Earthpower, on parle, ouais, hein, on parle totalement. Ouais. Le truc, c'est que Muddy Water, j'ai peur en vrai. 85%. Peut-être t'apprends vraiment pas autre chose. Hein. Bon, on va s'en contenter. Outrage, Hyper Voice. Hyper Voice, on parle aussi avec lui, hein.
Bon, il y avait le set double dance, c'est qui était intéressant, mais... Toi, t'apprends plus rien, c'est ça? Ah, j'avais pas vu ça! Parce qu'on apprend câlinerie. Câlinerie permet de passer les ténèbres, un dragon. Mais le dragon, on a déjà fait le champion dragon. On a déjà fait le champion dragon. Putain, mais le move pool d'Arcanin. Il fait pas rêver, hein. C'est pareil, lui aussi, son move pool, il est atroce, hein. Le move pool de Flygon, il est déplorable, hein. Merde, je me suis trompé, c'était Flygon que je voulais. Là, j'ai pas des potions, mais attends, ça me... Pour 8 PV? Enfin, ça va se jouer à 8 PV, cette histoire, hein. Est-ce qu'on lit d'Arcanin? Vas-y, trust. Il nous a jamais déçus. Ah là, le col il est pas bon, hein. Ah, le col Arcanin il est pas bon là. Boudiou! Boudiou! Ah, c'est peut-être la fin. Heureusement qu'on a le terraplein. Heureusement, hein. Faites-moi confiance. Bah alors? Bah alors? Flygon, hein? On a écouté le chat, hein. Même Oswine, il nous démonte la team, hein. Ça va la team? Comment ça va la team? Non mais là il fait 100%, il fait Icicle Crash. Hein. 100% il fait Icicle Crash. Testons l'IA du jeu. Alors le truc c'est que normalement je le dépasse. Mais j'ai pas trop envie de prendre de risques. Là, il fait séisme. Hein. Il fait séisme, trust. Mais pourquoi tu fais shard? Mes amitiés à Flygon hein, qui a fait de belles apparitions. Hein. Elle me dit pas qu'il est bloqué. Mais non, elle me dit pas qu'il est bloqué, Mamoswine. Imagine, il était bloqué en fait. Putain, s'il était bloqué, j'ai vraiment envie de crever. Hein. Putain, il est lock. Putain, il est lock. Je suis. Vous pouvez pas le deviner, hein. Mes amitiés à Flygon en tout cas. Il nous aura fait une belle run. Hein. Moi, je préfère Water Pulse en vrai. Au moins je vais pas le rater quoi. Et je peux confus. Oui ben voyons. Et Jack Button!
Escavaren, Call of Force, bien sûr. Return, ça va faire mal. Hein. Tiens-le par pitié. Il est banned, c'est sûr. Il est Life Orb. Oh le chien. Putain, la confusion, j'en ai marre. Hein. Le truc, c'est que. Qui se prend le return? Arcanin avec Intimidate. Et il meurt de la Life Orb. Ou de la confusion, au choix. Mais comment ça, il fait séisme? Mais comment ça? Et il meurt pas du... Là, il y a de la casse, hein. Mais il me tue sous Intimidate, hein. En même temps, il a fait séisme. Je le dépasse. Putain, on perd Arcana et Flygon quand même, hein. C'est chaud, hein. Camérupte, évidemment. Ok. Earthquake, ça va piquer un peu. Hein. Oh, le Berserk qui va one-shot le Camérupte. C'est pour moi. Quand je pense que j'avais donné le Croc Dragon à Flygon. Ah, je le dépasse pas du coup. Je reste moins rapide qu'un Hippodown. Bah dur hein. Bon, on aura perdu 3 Pokémon hein. Ça sent la fin des haricots. Battu Clay. Non sans mal hein. En vrai avec un meilleur call peut-être que on aurait perdu moins de Pokémon. Parce que j'avais peut-être moyen de. Je pouvais OS le Limonde. On aurait pu être bien. Bon, du coup là, bon, hein. Mes amitiés. Quoique non, je vais mettre Double Eight s'il faut capturer des Pokémon. Swarmig. Corrosif. Gloomy. Je sais pas comment ça marche. Et maintenant, il va falloir capturer des Pokémon là. Donc calme, c'est qu'il y a 6 Pokémon normalement. Hein. Ouais, Swarmig, vas-y. J'ai vu Brutapod. Mettez-nous. Bon, c'est pas plus mal de monter de niveau. Ah! Ah merde! Ah, ça c'est embêtant. C'est embêtant parce que j'ai quasiment plus de Pokéball.
faudrait que j'achète des Pokéballs, j'en ai plus du tout. Hein. New move. Hein. Metal Powder. Spray Gorge. Oh, Spray Gorge pour. Pour personne, il est mort, Dryel. Il me reste plus qu'une Pokéball là, c'est réel? À deux? Monter de niveau, hein. Squalipède, on va lui apprendre des attaques. Emolga! Beast Ball, ouais, mais il me faut des Beast Ball. Aïe, 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 aïe. Beast Ball, il m'en faut. Hein. Enfin, il me faut des Pokéballs de toute façon. Et du coup, on a vu tout le monde. Alors, attends, on n'a pas validé. Qui c'est qu'on n'a pas validé? Krabarak. Krabarak, ouais. Bon, c'est bon, j'ai compris que j'ai plus de place. Pas la peine de me le rappeler, hein. Aïe, aïe, aïe. Les baies, en fait, elles me font plus chier qu'autre chose, en fait. Ah oui, ça me prend une place incommensurable. Ça me prend une place de ouf. Attends, mais je peux pas passer là? Ah si. X accuracy, si j'en ai rien à foutre. Lâcher de shell, vraiment. Bon, je tente un Météno. J'ai entendu, on n'a pas validé casser la baraque. Comment ça? Ah, mais fais pas Shell Smash aussi, toi. Et avec explosion, le petit bâtard. Il est sérieux le frère? On tente Netero. Je l'ai pas celle-là. Ah ça fait que ça! Ah bah oui mais il a pas fait Shell Smash. Ça tue? Ai-je le droit de capturer mes ténors? Trois chaînes! Comment ça, trois chaînes? Oh, mais il y a une chaîne de. Genre, si tu l'enchaînes, tu peux augmenter le taux de shiny comme avec le. Le Dexnav là? Incroyable! Mais bon, on va chasser hein! Ouais, mais le truc c'est que tu meurs sous Iron Head. Hein. Est-ce que j'ai le droit de capturer un Météno, vous pensez? Hunter x Hunter, je connais que de nom, j'ai pas les refs. Et du coup, je vous la valide quand même. Du coup, mais Météno. Est-ce que j'ai le droit de capturer ce putain de. De Météno? J'ai plus de bol.
J'ai plus de bol. Bon, je suis niveau 65 ceci dit, mais... Est-ce qu'on va checker le Pokémon sauvage? Ben non, parce que j'ai pas de Pokéball. Putain, c'était Corboss, hein. Ouais, faut bien que j'aille au magasin un petit peu parce que bon. Voilà. J'ai plus de problème de Pokéball, mais j'ai plus Corboss. Comment ça? Comment ça, c'était ici? Ice Beam 16 000. Est-ce que vous savez s'il y a une version prépatchée du jeu pour la V2? C'est-à-dire. Telglow? En CT? Ok, une version qui est déjà patchée, tu veux dire? Ça doit se trouver. Après, s'il faut juste télécharger Emerald et après gérer le patch. Après, j'ai la ROM, donc éventuellement, un jour, je peux essayer de me démerder, mais faut que je crée un lien. On verra si jamais t'y arrives pas. On trouvera une solution. Il n'y a rien de compliqué. Bon, c'est un peu osef. Bon, du coup, c'est le sixième là. Et j'ai 4 Pokémon. Bah écoutez, hein, c'est bientôt la fin du stream. Attends, mais what? Quelles sont les attaques de ce truc? Asti, c'est bien. Enfin, c'est ok. Alors, par contre, les attaques, j'ai pas méga corne. Les attaques de Scolipette sont désastreuses, non? J'en suis vraiment à prendre Dragon Tail et Bug Bite, hein. J'espère que vous vous rendez compte du délire. Hein. C'est dommage que j'ai pas le Black Sludge là. Est-ce que vous avez appris des nouveaux trucs intéressants? Sacred Sword, c'est bien. Darmanitan, super power. Voilà, pour le coup, Scolipette très déçu, hein. On va se soigner, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'on se tease là, hein? En vrai. Ah mais ça monte, 6 000 parce que c'est 6... Ah ouais, c'est 6 000, 7 000, du coup et 8 000. Électrique Pokémon. Ok. Électrique Pokémon, vous dites. Attendez, d'accord, j'ai tout le monde 65, oui. Et j'ai pas d'objet pour. Ouais, je vais, à moins que je mette une baie. La Custab Berry. On sait jamais, je vais mettre la Oka Berry à Scolipede. Et je vais peut-être même la mettre à. Darmanitan. Bonne chance. Bah écoutez, hein, c'est peut-être la fin de la run. Hein.
Mais si c'est la fin, ça aurait été une très belle run. Pour commencer. Bon, on a le rage, certes, mais. Putain, mais c'est le pire Pokémon électrique possible. Il a lévitation, lui, là. Et il a Grass Knot éventuellement aussi. J'y crois à mort. Je suis plus rapide qu'Electros. Hein. Pitié, pas Écosphère, pas Grass Knot. Merci pour la pluie au passage. Hein. Le seul qu'il fallait pas. Il y a Motisma aussi. Hein. Ceci dit. Ah, il y a Gigatrain aussi. Aïe, 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 aïe. Tu pouvais pas être confus là par hasard. Hein. Chacal. Là. Il y avait Gigatrain aussi. Confus, s'il te plaît. On retrouve les bonnes ambiances des Mordrogue, hein. J'ai Darmanitan Trust. T'as 6 Pokémon, hein. Ça va, Emolga Shiny. Au revoir. À tout moment, il y a un légendaire. Hein. Alors lui, il est électrique combat, hein, donc bon. Et il est rapide. Hein. Ok, ça c'est pas mal. Je vais être obligé de Poison Tail là. Les dégâts sont ridicules. Hein. Je sais pas comment s'il est codé le move de. De lui là pour raise un Pokémon. Je sais pas si c'est codé et ça marche dans le jeu. Je suis obligé d'envoyer Double Blade hein, parce que. Sinon, c'est dead. Hein. Et il est à moins 1. Hein. Oh, il meurt de Ice Punch. Après, Nitro Charge tue jamais. Mais par contre, s'il a éclair fou. Sachant que je vais utiliser aucun objet de soin. Hein. Et qu'éventuellement j'aurais pu. Et j'aurais dû même, hein, parce que. Bon, les dégâts qu'il lui a mis quand même. La question qui se pose, c'est que.
Est-ce que je vais tenir Thunderbolt? Trust. Pas de crit. Ah, je vais regretter de pas l'avoir fait avant quand même, hein. Dommage. Bon, on sera allé loin. On sera allé loin. 5500, ouais. 10 levels. Ça, j'ai pas compris l'idée de d'augmenter le niveau du starter. J'ai pas compris. Je comprends pas l'idée. 19% des quêtes. Ah bon? Ok. Ok, aventure, les quêtes. Oui, forcément. Décor unlocked. Shiny Pokéblock. Build par 40. 8000 Pokédollars. Ah, des nouvelles quêtes. Build all available arrays. Arrays. Ok. Collect data de plus de 100 Pokémon. 10 shiny Pokémon. Un Pokémon can be shined to increase odd by knocking out back to back. Ouais, donc c'est ce qu'on a fait globalement avec Metenon. Et battez chaque dresseur. Du coup, oui, the Pokémon of Legend, donc ça veut dire. Est-ce qu'il parle des légendaires ou est-ce qu'il parle de Pokémon Legends Arceus? Pas clair, hein. C'est pas clair tout ça. Et du coup, on peut acheter des trucs là avant qu'on s'arrête. Bon, du coup, j'ai le ferro-singe niveau 20, ce qui n'a pas de sens. Tu es juste la personne que j'attendais. Ouais, poussez-vous. Casse-toi. La tone map, d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai que ça. Hein, donc... Ok, on peut rajouter des éléments du coup avec les build sparks qu'on gagne dans les runs. Oui, mais je vais essayer, oui. Qu'est-ce qu'on achète? Trainer School, oui, c'est gratuit. Tutor to teach remove move for Pokémon, vas-y. J'achète. Starter bag. On peut reset le starter. Merde, j'ai pas lu ce que c'était ça. Adventure can be saved and replay again. Ah oui, c'est le truc un peu comme dans... comment il s'appelle ce jeu? Rogue Legacy. Je peux verrouiller une map. Build new area. Ah, blend Pokéblock and improve Pokémon IV. Donc tu peux améliorer les IV de Pokémon que t'as chez toi alors, peut-être. Ou que tu captures au Safari. Train Pokémon to help you in the overworld. Base market, à moins que les Pokéblocks aident à monter les IV. Ah, vas-y, j'ai 30, j'ai envie de savoir ce que c'est le Decker. Black et Decker. J'ai envie de savoir ce que c'est. Donc c'est au sud, là, du coup.
Donc ça c'est pour build. Mais comment ça marche? Oui, je suis la dame de la pension. Je peux garder un Pokémon pour toi si tu veux. On va aller capturer un Pokémon au Safari et puis on va bien voir ce que ça donne. Ah oui, il y a lui là. On va donner des Pokéballs. Eevee Ball. Ok. Sympa Racklerland du coup, hein. Je me rappelle plus où était le Safari par contre. Il était pas le sac avant. Mais t'es qui toi? My name is Peonia. J'ai vu ton aventure. Quoi? Une vraie ville de Racklerland. Ouais. Ah, c'est le truc du replay. Je veux pas refaire la même. Non, je veux pas, non. Non, 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 je veux pas refaire la même. Hein. Je ne crois pas, non. Mais du coup, qui c'est qu'on pourrait capturer, du coup? Ah. Nouveau starter? Non, on a dit qu'on le capturait pour. Attends, mais j'ai 9 Pokéballs jusqu'à quand? Non, mais c'est les Pokéballs que j'ai de base, il faut que je fasse gaffe. Attends, il a combien d'IV? Mais. Il a combien d'IV, j'ai dit? Ça va. Du coup, je vais voir la pension, ce que ça dit. J'aurais peut-être dû en capturer un second pour voir. Merde, c'est pas par là. Bon, la VOD sera longue, hein, mais c'est. Peut-être que pour les prochaines, on fera ça en coupé, mais c'était pour la découverte de la 2.0. Vas-y. Et donc? Attends, Darumaka et Darumaka? Mais ça sert à... Qu'est-ce que ça fait? Putain, je peux upgrade hein? Le Decarphone. On peut avoir plus de slots, mais c'est pas clair. Mais les œufs, ça va me donner des Darumaka ou. Je sais pas. Et du coup, on n'a pas moyen de. Les Pokémon du Safari, ce sera forcément les Pokémon de la run. Oh désolé, j'étais en réu. Oh bah t'inquiète. T'inquiète, on a perdu il y a pas longtemps. Hein. Il y a 5 minutes on a perdu. Sur le 6ème champion. Qu'on savait de type électrique, mais on s'est pris un Pokémon électrique qui avait lévitation et qui a totalement fumé notre Tritosaur. Hein. Avec Giga Drain. Avec Giga Sensu. Donc du coup, l'aventure s'arrête ici. Mais c'était une bonne première run en vrai. Est-ce que je capture le Kaninos là? Le combo de Zinzin. Ah mais l'Electros c'était le pire. Enfin, c'était le pire et on aurait pu tomber sur Motisma, c'était assez pire aussi. Mais j'avoue que au massacre, donc Electros c'est au massacre en français. C'était moche. Le retour du Ferro-Singe. Ah bah du coup retour oui. Le Ferro-Singe c'est notre starter. On peut l'utiliser si on a envie. Ou on peut recapturer des Pokémon ici qu'on a eu dans les précédentes runs. Et du coup on peut partir avec qui on veut. Bon seul truc qui m'interroge c'est que du coup il a pris 10 niveaux.
Et je vois pas l'intérêt de monter de niveau. Parce que pour moi, tu devrais partir du... Bah, en gros, tu pars du niveau 10 ou 5, j'en sais rien. Mais s'il est niveau 20, ça veut dire qu'il arrive niveau 20. Il sera déjà niveau 20 pour le premier champion. Et si je gagne d'autres niveaux par d'autres runs, et bah, ça va être un peu fumé. Je sais pas s'il y a moyen de le changer ou si c'était prévu. Ça a l'air d'être prévu puisqu'on monte, il y a un message. Puis je vous avoue que ce féro singe relaxed, bon. Il m'enjaille pas des masses. Hein. Attends, mais Hardy, il était pas Hardy le Caninos? Attends, vous pensez que c'est ceux qu'on a capturés? Enfin, genre la nature et les mêmes IV? Ce serait assez incroyable en vrai. Ça serait assez incroyable, mais j'ai pas demandé à le capturer lui. Du coup, j'ai fui, donc rip l'imagma. C'est quand je pense à ce safari où aussi on s'est fait avoir. Ah, mais attends, mais on peut upgrade l'area. Il y a quoi comme option? Ah non, mais c'est l'area des. Mais rien à voir. C'est pour la pension. Bah, Sage. On va le capturer parce que voilà. Mais... Et du coup, à tous les coups. Et bah, à tous les coups, c'est les mêmes, hein. À tous les coups, c'est ceux de la run. En termes d'IV, nature, etc. On va prendre plus rien, mais on peut optimiser cette histoire de pension. Moi, ça m'empêche de dormir. Hein. Non, mais... non, toute la marche qu'on a fait, à moins qu'il faille faire des runs pour que ça compte. Non, ça, il se passe rien. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette VOD. On se retrouve très bientôt, puisque je vais évidemment continuer de jouer au jeu. Donc des bisous et n'oubliez pas le pouce bleu évidemment. A bientôt!